cette année soit pour toi une année exceptionnelle. Amen. Que tous les lieux de prière sans exaucement jusqu'à ce jour, que cette année soit le couronnement. Que tu sois dans une abondance totale. C'est le pasteur des anges, missionnaire d'Abidjan. Nous sommes là pour cette croisade de ce soir et rendre grâce au Seigneur qui nous a protégés durant toute cette année 2018. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas envie.
Laissez la voie à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus afin qu'ils s'avancent. Let the way to those who would like to give their life to Jesus for them to come forward. Et nous pouvons déjà acclamer. And we can start clapping. Tu te tiens là devant les témoins fidèles. You stand here, the faithful witness. Et la joie n'est pas finie, elle continue. And the joy is not over, it is still nous going on. Nous voulons d'abord célébrer l'entrée au ciel de nos frères. We are going to first celebrate the lève-toi et viens si tu as donné ta vie à Jésus. Into heaven of our brother. Rise up if you have given life. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Rise up and come. Si tu as donné ta vie à Jésus, lève-toi et viens devant ici. If you have given your life to Jesus, stand up and come in the front. Lève-toi et viens. Stand up and come. Que cette date soit marquée dans tes annales. Let this date remain in your books. Bonne année. Et dis bonne année à ton voisin. And say happy year to your friend. Et je dis bonne année à chacun. Bonne année. And I say happy good year to any one of you. Mais ne venez pas m'embrasser. Ne venez pas m'embrasser, ça risque de s'arrêter. I cannot keep hug with you. Hallelujah. Praise the Lord. Il faut beaucoup de violence pour donner la vie à Jésus. It takes much violence to give life to Jesus. Violence envers soi-même. Violence toward yourself. Parce que ton cœur n'aime pas la vérité. Because your heart doesn't love truth. Et ton cœur n'aime pas ceux qui disent la vérité. And your heart doesn't love those who tell the truth. Ton cœur aime le mensonge et tous les menteurs. And your heart loves a lie and the liars. Il te faut de la violence. So you need violence. Pour sortir du monde. To get out of the world. Satan passe. Mais Jésus est éternel. Satan passes away, but Jesus is everlasting. Il est assis sur le trône. He's sitting on the throne. Même quand il y a les calamités dans le monde. Even when there is calamities in the world. Son trône n'est pas ébranlé. His throne is not shaken. La Bible dit qu'il était assis sur son trône quand il y avait le déluge sur la terre. He said that he was sitting on his throne when there was flood on the earth. Il n'était même pas menacé. He was not even threatened. L'eau ne pouvait pas arriver là-bas. The water could not reach Jésus-Christ. Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. C'est cette nuit même. It is this night, even tonight, que tu vas ramasser tes bénédictions de l'an qui vient de commencer. That you are going to gather the blessing for the year which has just started. Tu auras des réserves. You will have reserves. Tu as bien commencé. You have started well. Et ça ne va pas s'arrêter. And it's not going to stop there. Le premier combat, the first warfare, est contre le péché. Is against sin. Contre le péché. Against the sin. Le solide fondement de Dieu. The solid foundation of God. Quand Dieu sauve quelqu'un. When God saves someone. Quand c'est lui-même qui a construit. When he is the one who has built. Ce fondement subsiste toujours. This foundation resists always. Et la parole dit. And the word says. Les paroles qui accompagnent. The words that accompany cette bénédiction, that blessing, disent que si quelqu'un veut prier, qu'il abandonne d'abord son péché. Says that if someone wants to pray, he must first depart from his sins. Donc, le vrai problème de l'homme, so the true problem of man, ce n'est pas l'existence du diable. It's not the existence of the devil. C'est son propre péché. It is his own sin. Si tu abandonnes ton propre péché, if you abandon your own sin, tu as
as l'autorité sur le diable. You have authority upon the devil. Tu as l'autorité sur la mort. You have authority upon death. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. L'aiguillon de la mort. The guilt of death. C'est le péché. It is sin. Si la mort te dit je t'aime, viens. If death tells you I love you, come. Tu dis mort, je refuse, je ne viens pas. You say death, I refuse, I don't come. Elle va te laisser. It will leave you alone. Maintenant, elle va prendre le péché. And now it will take sin. Elle te dit commet l'adultère. And you tell you commit adultery. Et tu commets l'adultère. And you commit adultery. Et la mort que tu ne voulais pas se retrouve en toi. And the death you didn't want comes into you. La mort utilise le péché pour t'atteindre. Death uses sin to reach you. L'aiguillon de la mort c'est le péché. The sting of death is sin. L'aiguillon de ta mort c'est ton péché. The sting of your death is your sin. Ton péché, your sin, a introduit la mort dans ta vie. Brought death into your life. Ça peut finir ce matin. It can stand still right now. Tu jettes ton péché, Dieu t'ajoute les années. You cast down your sin, God will add some years to your age. Il peut ajouter de 2 jours à plusieurs années. He can add from 1 day to several years. Et parmi les bénédictions de ce matin, and among the blessings of this morning, nous allons demander que Dieu ajoute les années. We are going to ask God to add years. Qu'il éloigne de chacun la malédiction de la mort précoce. That it takes away the curse of early death. Mais le péché, but sin, sera utilisé par le diable. Will be used by the devil pour faire revenir la mort. To bring death back. Même quand le Seigneur t'aura ressuscité 100 fois. Even though the Lord has raised you up. Si le péché est encore là. 100 times, if sin is still there. Il va ramener la mort. He will bring back death. Lève-toi et viens. Stand up and come. Les anges te regardent. Angels are looking at you. Qu'est-ce qu'il va faire? What will he do? Ou qu'est-ce qu'elle va faire? Or what will she do? Va-t-elle garder son péché? Will she keep his sin? Et mourir? And die? L'aiguillon de la mort. The sting of death. C'est le péché. It is sin. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que les chaînes soient brisées. Let chains be broken. Que les âmes soient libérées. Let souls be que les chaînes soient brisées. Let chains be broken. Que les âmes soient libérées. Let souls be released. Que les chaînes soient brisées. Let chains be broken. Que les chaînes soient brisées. Let chains be broken. Que les chaînes soient brisées. Let chains be broken. Que les chaînes soient brisées. Let chains be broken. Que les âmes viennent à Jésus. Let souls come to Jesus. Que le diable reste seul. Let the devil remain alone. 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 In the name of Jesus. Que les prisons soient brisées. Let prison be broken. Que les prisons soient cassées. Let prisons be broken. Que les prisons soient cassées. Let jails be broken. Que les captifs soient libérés. Let the captives be released. Que les captifs soient libérés. Let the captives be released. Que les captifs soient libérés. Let the captives be released. Que les captifs soient libérés. Let the captives be released. Que les prostituées soient libérées. Let the prostitutes be released. Que les prostituées soient libérées. Let the prostitutes be released. Que toutes prostituées soient libérées. Let the prostitutes be released. Que les sorciers soient libérés. Let the witch be released. Que les sorciers soient libérés. Let the witch be released. Que les jaloux soient libérés. Let the jealous be released. Que les jaloux soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que les chaînes soient brisées. Let the chains be broken. Lève-toi et viens. Let stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Même si tu as fait la promesse à quelqu'un, even if you have made a promise to someone, que tu ne donneras jamais ta vie à Jésus, that you will never give your life to Jesus, je casse cette promesse. I break this promise. Je te délivre de la and prise. And I set you free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je te délivre de la peur. I deliver you from la fear. Peur, la crainte de l'homme. The fear of man. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come.
Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi, va tout droit devant toi. Stand up and go straight in before you. Même si tu vas en tremblant, vas-y. Even if you go trembling, stand up and go. L'essentiel est que tu sois sauvé. What is essential is for you to be saved. Hallelujah. Praise the Lord. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 18 à 22. Read this text to us. 2 Timothy chapter 2, reading from verse 19 to 22. Chaque enfant de Dieu va se consacrer cette nuit. Each child of God is going to devote himself to God tonight. Chapitre 2, verset 19 à 22. Il faut lire jusqu'à 26. Read up to 26. Écoutez, ce texte, c'est le Seigneur lui-même qui l'a donné. This passage was given by the Lord himself, so listen to it. Pendant que j'attendais devant lui, qu'est-ce que je vais dire au frère à la veillée? While I stood before him, asking him, what shall I tell to the brethren at the night watch, at the prayer, at the night watch? Il m'a dit que chacun entre en 2019 étant consacré. He told me that each one should get into 2019 being consecrated. Il a dit lui-même va nous utiliser. He said that he himself will use us. Notre responsabilité c'est de nous consacrer. Our responsibility is to consecrate ourselves. Alors, écoute très bien. So listen carefully. C'est une prophétie. It's a prophecy. Lis. Read. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19 à 22. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Continue jusqu'au verset 26. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Alléluia. 2 Timothy chapter 2, reading from verse 19 to 26. Nevertheless, the solid foundation of God stands. Having this seal, the Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleans himself from the latter, he will be a vessel of honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Flee also your youthful lust, but pursue righteousness, faith, love,
peace with those who call on the Lord out of a pure heart. But avoid the foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Amen. Alleluia. Praise the Lord. Cette parole dit ceci. This word says this. Nous sommes dans la maison de Dieu comme des vases dans la maison d'un homme. We are in the house of God as vessels in the house of a man. Chez un homme, tout n'est pas en or. In the house of a man, everything is not in gold. Il y a des vases en bois, en pierre, il y a des vases en terre, en argile, il y a des vases en argent. There are vessels of silver, of wood, of clay and earth, etc. Ce qui fait la différence entre les vases, c'est la pureté. C'est what, parce que c'est propre. What makes the difference between the vessels, it is cleanness, because it is clean. Si tu es propre, if you are clean, Dieu va t'utiliser. God will use you. Si tu es pur, if you are pure, Dieu va t'utiliser. God will use you. Et Dieu te dit, and God tells you, même si tu es jeune converti, even though you are a young convert, si tu es pur, if you are pure, Dieu va t'utiliser. God will use you. Même si tu n'es pas allé à l'école, even though you didn't go to school, si tu es pur, if you are pure, propre, clean, Dieu va t'utiliser. God will use you. Dieu dit, God says, même si tu n'as pas d'argent, even though you don't have, tu n'as rien à manger, you have nothing to eat. Tu n'as même pas de maison. Tu dors chez les gens et même le sol. You have no house and you are sleeping on the floor at people's house. Mais si tu es sanctifié, if you are sanctified, quand Dieu va entrer dans cette maison là, when God gets into that house, il va aller vers ta natte. He will go to your mat, où tu es couché, where you are sitting, lying, pour te parler, in order to speak to pour you, pour te montrer le chemin, to show you the way, pour t'utiliser, to use you. Et d'ici quelqu'un se conserve pur, if he said that if someone keeps himself pure, il sera un vase d'honneur, he will be a vessel of honor. Ça c'est l'intelligence de Dieu. This is the intelligence of God. Ça c'est la justice de Dieu. This is the justice of God. Ça c'est le plan de Dieu. This is the plan of God. Avec lui, with him, on n'est jamais en retard. We are never late. Ne pleure pas. Do not cry. Ne dis pas que, oh, si j'avais su ces choses avant. Do not say that, oh, if I had known this in the past. Si tu es pur, if you are pure, Dieu va t'utiliser. God will use you. Tu vas même combler le retard. You will even feel your delay. Quand il a sauvé l'apôtre Paul, when he saved Apostle Paul, il l'a vraiment utilisé. He really used him. Il n'a pas regretté. He didn't regret. Il dit quelque part, he said somewhere, qu'il a travaillé plus que tous les autres. That he worked more than all the others. Si quelqu'un se conserve pur, if somebody keeps himself pure, il sera un ami de Dieu. He will be a friend of God.
Dieu va venir là où tu es couché. God will come where you are lying. Il va te donner des visions. He will give you visions. Des songes. He will give you dreams. Des révélations. He will give you revelations. Sur son œuvre. About on his word. Sur son royaume. About his kingdom. Il va te révéler la splendeur de l'église. He will show you the bright of the church. Il va te révéler le futur des enfants de Dieu. He will reveal you the future of the children of God. Il va illuminer les pensées de ton cœur. He will enlight the thoughts of your heart. Si tu te conserves pur, if you keep yourself clean, quand Dieu aura un plan, when God will have a plan, quand il aura décidé de faire quelque chose, when he will have decided to do something, il viendra te dire, he will come and tell you, pour que tu sois informé, for you to be aware. Quand il devait détruire Sodome et Gomorrhe, when he was to destroy Sodom and Gomorrah, il a dit qu'il ne peut pas cacher ça à Abraham, son ami. He said that he could not hide it to Abraham, his friend. Avant d'aller détruire, il est parti d'abord dire à Abraham. Before going to destroy, he first went to tell Abraham. Tu seras ami de Dieu. You will be a friend of God. Ça ne s'achète pas. You don't buy it. Dis amen. Say amen. Tu seras ami de Dieu. We will be a friend of God. Quand tu es tenté, when you are tempted, si tu résistes à la tentation, if you resist the temptation, Dieu va t'élever. God will raise you up. Dieu va t'élever. God will raise you. Dieu va t'élever. He will lift you up. Quand tu es rejeté, méprisé, abandonné, insulté, Dieu te regarde. When you are rejected, despised, abandoned, insulted, God is staring at you. Si tu tiens ferme, if you stand, il donne des ordres à ton sujet. He gives orders about you. Il dit à ses anges, and he tells his angels, veillez sur celui-là. Watch over this one. Parce que quand on trouve le jus dans une grappe, on dit ne détruis pas. Because when you find juice in a grape, you say, don't destroy. Il dira à ses anges, he will tell his angels, j'ai trouvé la vie en celui-là. I have found life in this one. Il a dit à Satan, he told Satan, Job est un homme juste. Job is a righteous man. Pourquoi m'excites-tu? Why do you want à le détruire? Why are you inciting him to destroy him? Dieu dira la même chose à ton sujet. God will say the same thing about you. Il dira à Satan, mais cet enfant même, quel est ton problème? Laisse-le. And God will tell Satan, this child loves me. What's your problem? Leave him alone. Pourquoi m'excites-tu à lui faire du mal? Why do you incite me to do evil? Quand Dieu trouve un homme juste, when God finds a righteous man, et il s'appelle de son nom, and he's called of God's name. Il pouvait dire, je suis le Dieu d'Abraham. Il n'a pas honte de porter le nom d'Abraham. He could say, I am the God of Abraham. He's not ashamed to bear the name of Abraham. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Dis, oh Père. Say, oh Father. Je veux que tu t'appelles de mon nom. I want you to be called of my name. Je ne veux pas que tu aies honte de mon nom. I don't want to be ashamed of my name. Je me consacre à toi. I consecrate myself to you. Je veux être un vase d'honneur. I will be a vessel of honor. Maintenant, continue à prier de tout ton cœur. Dis, oh Père. Say, oh Father. Je te donne ma vie. I give you my life. Je te donne mon travail. I give you my work. Je te donne mon temps. I give you my time. Je te donne mes amis. I give you my friends. Je te donne ma famille. I give you my family. Je te donne mes privilèges. I give you my privileges. Je te donne toutes mes opportunités. I give you all my opportunities. Je t'appartiens. I belong to you. Continue à prier. Continue to pray. Thank you.
Say, Father, que ton onction vienne sur moi. Let your anointing come upon me. Que ta bonne main se pose sur moi. Let your good hand be laid on me. Que tes regards se dirigent vers moi. Let your eyes be directed toward me. Que tes grâces m'accompagnent. Let your favors come upon me. Que ta faveur me précède. Let your favor comes before me. Je suis à toi. I am to you. Je suis à toi. I am yours. C'est ta bénédiction que je recherche. It is your blessing that I am seeking. Le monde ne m'a rien donné. The world has given me nothing. Le monde ne peut rien me donner. The world can give me nothing. Le monde n'a même rien à me donner. The world has nothing to give me. Continue à parler. Continue à ton to speak to your Father. Lève tes deux mains au ciel comme pour implorer la grâce de Dieu. Raise your two hands to heaven. Tes deux mains. Your two hands in order to implore the favor of God. Dis mon Père qui est au ciel. Say my Father which is in heaven. Voici l'année 2019. Here is the year 2019. Chacun crie à son Dieu. Each one is crying up to his Father. Moi, je viens vers toi. I come towards you, to you. Bénis cette année. Bless this year. Bénis-moi tout au long de l'année. Bless me all along the year. Oh, mon Père. Oh, my Father. Qui est au ciel, qui est au ciel. Which is in heaven. C'est ta bénédiction qui enrichit. It is your blessing that oh, gets mon weak. Père, oh, mon Père. Oh, my Father. Mon Père. Oh, my Father. Tout ce que tu as béni depuis la fondation du monde. All those you have blessed since the creation of the world. Ont été bénis jusqu'à ce jour. I've been blessed up to this day. Dis mon Père. Say my Father. Pose ta main sur moi. Lay your hand upon me. Dis merci Seigneur. Say thank you Lord. Parce que tu m'as exaucé. Because you have granted me. Est-ce que tu crois que Dieu t'a exaucé? Do you believe that God has granted you? Si tu crois, tu l'as reçu. If you believe it, you have received. Maintenant, tu proclames. Now you proclaim. La Bible dit. The Bible says. Puisque nous avons en nous le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture qui dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Since we have the same spirit of faith that is in the scriptures, which says we have believed, that's why we have spoken, we also believe, that's why we speak. Dis je crois. Say I believe. Et je proclame. And I proclaim. Que je suis béni. That I am blessed. Je suis béni. That I'm blessed. Tu vas dire ton nom. You tell your name. Hallelujah. Et soyez, ça c'est le combat, c'est ça. This is the fight. Je proclame que je suis béni. I proclaim that I'm blessed. Je proclame que Boniface Meunier est béni. I proclaim that Yahweh Bilal Josué est béni. Je proclame que Boniface Meunier est béni. I proclaim that Yahweh Bilal Josué est béni. Oh, je proclame. Oh, I proclaim. Je proclame. I proclaim. Que Boniface Meunier est béni. That Yahweh Bilal Josué est béni. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je proclame. I proclaim. Que la bénédiction. That blessing. Engloutit la malédiction. Swallows curse. La malédiction n'existe plus. Curse doesn't exist anymore. La bénédiction l'a avalé. Blessing has swallowed it. Dis, ma vie est sanctifiée. Say, my life is sanctified. La bénédiction a avalé la malédiction. Blessing has swollen curse. Plus d'échec, plus d'échec, no plus d'échec. No more failure, no more failure. Plus de malédiction, plus de malédiction, no more curse, plus de malédiction. No more curse. Plus de malédiction, plus de malédiction, plus de malédiction. No more curse, no more curse.
Dis, je proclame. Je proclame. Que je suis béni. That I am blessed. Que la bénédiction a balayé les échecs. That blessing has taken la bénédiction balaye les maladies. That blessing has taken away sicknesses. Si je proclame, say I proclaim, que je suis béni. That I am blessed. Une bénédiction qui balaye la frayeur. A blessing that takes away balaye le doute. Take away doubt. Balaye la crainte. Take away fear. Balaye les angoisses. Take away troubles. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Que tous ceux qui vont me bénir seront bénis. That all those who will bless me will be blessed. Tous ceux qui vont me faire du bien seront bénis. All those who do good to me will be blessed. Car il est écrit, for it is written, je bénirai celui qui te bénira. I shall bless the one that blesses you. Je bénirai celui qui te bénira. I will bless the one that blesses you. Continue à insister que je, que des petits démons qui te suivaient là se retirent. Dis, je suis béni, je suis béni, je suis béni. That you are blessed, you are blessed. Ouro bashara baka baka shara. Ouro baka shara baka shara baka shara. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que ceux qui se disent être mes ennemis. That those who say they are my enemies. Qu'ils m'attaquent. Let them attack me. Ils le feront pour leur honte. They will do it for the shame. Ils le feront pour leur confusion. They will do it for the confusion. Dis mon père. Say my father. Ne les tue pas. Do not kill them. Mais permets que leurs yeux. But allow their eyes voient le contraire de ce qu'ils veulent contre see moi. See the opposite of what they want against me. Ça veut dire que s'ils veulent que tu sois pauvre, tu seras tellement riche qu'ils vont maigrir. It means that if they want you to be poor, you will be so rich that they will become thin, they will grow thin. S'ils veulent que tu sois célibataire, if they want you to be single, tu auras le type de mariage qui est annoncé dans tous les villages. You have such a marriage that will be announced in the whole village. Avec un conjoint gentil. With a very kind partner. Ou une conjointe gentille. Oh, a very kind partner. Gentil et honoré. Kind and honored. Dis père. Say father. Ne les tue pas. Do not kill them. Mais consume leur regard. But consume their eyes. En contemplant ton œuvre dans ma vie. While contemplating beholding your works in my life. Qu'est-ce qui me haïsse? Let all those who hate me. Le fasse pour leur confusion. Do it for the confusion. Continue à prier. Continue to pray. Amen. Et les pasteurs. So the pastors. Occupez-vous rapidement de ces frères. Take care of these brethren. Après les conseillers spirituels, après l'entretien avec les conseillers spirituels, vous rentrez à vos places. After the speaking with the spiritual advisors, you go back to your seats. Après le conseil,
After the advice, nous allons couvrir les 365 jours dans la protection de Dieu. We are going to cover the 365 days in the protection of God. Personne ne doit dormir. No one should sleep. En tout cas, dès qu'on planifie une activité la nuit, c'est qu'on a déclaré la guerre au sommeil. As soon as we plan an activity in the night, it means that we have declared war to sleep. Donc, ayez les yeux ouverts. So keep your eyes open. Le secret de la lutte contre le sommeil, c'est les yeux ouverts. Ne faites pas confiance aux oreilles. Quand les yeux sont ouverts, c'est difficile pour le sommeil. So the secret for to fight against sleep is to keep your eyes open. When the eyes are open, then you are not sleeping. Mais si tu fermes les yeux, do not trust your ears. But if you close your eyes, les oreilles vont te tromper pour deux minutes ou trois. Après, elles vont t'abandonner. The ears will deceive you for two or three minutes and have to forsake you. Dites amen. Say amen. Après cela, after that, on va présenter, chacun présente ses objectifs au Seigneur Jésus. Each one is going to present his objectives to the Lord Jesus. Ou les principales choses qu'il veut réaliser. Or the main things he would like to realize. Après cela, and after that, nous allons nous bénir. We are going to bless each other. Après, ça dit tu vas chez ton frère, tu le bénis sincèrement. Means that you go to your brother, you bless him sincerely. Ne te sens pas obligé de bénir tout le monde. Cherche certaines personnes. Tu dis je veux te bénir, viens. Do not feel yourself compelled to bless everybody, but seek some people. Et la discipline doit régner derrière là-bas. Discipline must reign in the back. Ça compte. It is important. Pour la sanctification de la rencontre. For the sanctification of the meeting. Alléluia. Praise the Lord. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Le temps, la nuit est très courte. The night is short. Écris le sujet sur ta feuille. Write the topic on your paper. C'est un seul sujet pour toute l'année, pour tous les jours de l'année. It's only one topic for all the days of the year. Tu mets au nom de Jésus. Right, in the name of Jesus. Tu dis, nous détruisons, ne dis pas je détruis. Say we destroy, do not say I destroy. Parce que c'est nous tous qui prions pour chacun. Because it is all of us who pray for each and everyone. C'est-à-dire que quand nous dirons amen sur un sujet, it means that when we say amen on a topic, ça veut dire que nous tous nous avons prié pour toi. It means that all of us have prayed for you. Ou alors que nous tous nous avons prié pour chacun. Or all of us have prayed for each one. Au nom de Jésus, j'ai détruit. In the name of Jesus, I destroy toutes les œuvres du diable. All the works of the devil. Et de son armée. And of his army. Contre moi. Against me. Contre ma famille. Against my family. Et contre l'église. And against the church. Le premier jour de l'année 2019. The first day of the year 2019. Après tu dis amen. And after you say amen. Tu restes concentré. You remain concentrated. Et deux personnes peuvent avoir le micro. And two people can have the microphone. S'il y a une erreur, si on dit par exemple 2017, la personne peut parler à haute voix en disant non 2019. So if there's a mistake, for example, if we say 2017, the person can make a correction saying 2019. Si on dit le deuxième jour, alors qu'on devait dire le troisième jour, si ceux qui sont vigilants corrigent rapidement. So if you say the second day, though we were to say the third day, those who are, vigilant must correct it very quickly.
Et Dieu va faire ce que nous demande. God will do what we ask him. C'est Dieu qui nous a enseigné à prier. It is God who taught us to pray. La prière n'est pas quelque chose que l'homme a inventé. Prayer is not an invention of man. Dieu veut que son peuple prie. God wants his people to pray. Qu'il demande. That they ask. Jésus a dit, mais demandez jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jesus said, but ask. Up to now, you have not asked. Tu vas demander la protection de Jésus-Christ. You are going to ask the protection of Jesus. Avant même que le diable ne se lève, tu l'as déjà anéanti. Before the devil rise up, you have already crushed him. Et après avoir prié, and after praying, s'il y a un petit trouble, if there is a little trouble, dans ta vie, in your life, en 2019, in 2019, dis seulement gloire à Dieu. Just say praise the Lord. Les desseins de Satan sont déjà écrasés. The goals of Satan have already been crushed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? David a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. David says that sometimes the righteous one, I mean, unhappiness befalls the righteous one, but the Lord delivers me always. Le Seigneur sera toujours là. The Lord will always be there. Au temps opportun. At the due time. Comme il a été avec Nina. As he's been with Nina. Le coup était tel que elle mourait entre deux véhicules, coincée. It was such a way that she was to die between two cars. Mais les anges étaient là. But angels were there. On ne les a pas vus, mais ils ont mis les mains, ils ont écarté les véhicules. We didn't see them, but they put their hand and took the two cars away from her. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Moi, je dis le jour et puis on prie. I just tell the day and then we pray. Et les anciens, rassurez-vous que vous n'êtes pas là pour regarder le ciel. Allez encourager les brebis à prier. Elders, que le sommeil ne les emporte pas. Make sure you are not here to look into the skies. Go encourage the sheep to pray that they are not taken away by sleep. Nous commençons par le premier jour de l'année 2019. Prions ensemble. We are starting with the first day of the year 2019. Let's pray together. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tous les plans de Satan, tous les projets de Satan contre nous, contre nos familles, contre l'Église. Le premier jour de l'année 2019, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième jour, the second day, prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tous les projets de Satan contre nous, contre nos familles, contre l'Église. C'est le deuxième jour de l'année 2019 au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième jour. The fourth day. Au nom au de Jésus. Nom de Jésus. Nous détruisons nous tous les détruisons projets de Satan toutes les âmes du diable et de son armée contre moi, contre l'Église et contre ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2019 au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cinquième jour. The fifth day. Au nom de Jésus, je détruis toutes les armes du diable contre l'Église, contre nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les armes du diable contre nos filles, contre nos familles, contre l'Église. Au 359e jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. 360e. Au nom de Jésus, nous détruisons tous les œuvres du diable contre nos vies, contre nos familles, contre l'Église. Au 360e jour, au nom de Jésus-Christ. Amen.
361e. Au nom de Jésus, nous détruisons toutes les œuvres du diable et de son armée, contre nos vies, contre nos familles, contre l'Église. L'Église, 361e jour de l'année 2019. Au nom de Jésus. Amen. 362e. Au nom de Jésus, nous détruisons toutes les œuvres du diable et de son armée, contre nos vies, contre l'Église, contre nos familles. 362e jour de l'année 2019. Au nom de Jésus. Amen. 363e. Au nom de Jésus, nous détruisons toutes les œuvres du diable et son armée contre nous, et contre nos familles, contre nos familles, contre l'Église. 363e jour, au nom de Christ. Amen. 364e. Au nom de Jésus, nous détruisons toutes les œuvres du diable et son armée contre nos vies, contre nos familles, contre l'Église. Au 364e jour de l'année 2019, au nom de Christ. Amen. 365e jour. Au nom de Jésus, nous détruisons toutes les œuvres du diable et son armée, contre nos vies, contre nos familles, contre l'Église. Au 365e jour de l'année 2019. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Levons-nous. Let's stand on our feet. Écrase, proclame que rien ne lève la tête. Proclaim that nothing will rise his head. Que rien ne soit reconstitué. That nothing be reconstituted. Que les projets passés soient écrasés. Let past projects be crushed. Et que les tentatives de projets à venir soient anéanties. And that if the devil attempts to rebuild the project that have been crushed, be crushed. Prions ensemble. Let's pray together. Ésaïe chapitre 8. Isaiah chapter 8. Versets 9 et 10. Reading verse 9 and 10. Ésaïe chapitre 8. Isaiah chapter 8. Versets 9 et 10. Verse 9 and 10. Écoutez. Listen. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ici, c'est notre niveau de combat. Here, it is another level of warfare. Nous sommes habitués au combat. Satan ne me touche pas. Satan ne vient pas ici. We are used to warfare. Satan, do not touch me. Do not come here. Ici, là. Here. En s'appuyant sur l'Éternel. By leaning on the Lord. En gardant dans la pensée que notre Dieu est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Keeping in our mind that our God is the God that created heaven and earth. Que quand il parle, il accomplit ce qu'il dit. That when he speaks, he fulfills, he accomplishes what he says. Nous n'avons pas peur de dire à Satan, si tu veux la guerre, viens. We are not afraid to tell Satan, if you want war, come. Hallelujah. Praise the Lord. Le prophète Isaïe veut dire ici au nom de chacun de nous. Prophet Isaiah, I want to say here on behalf of each of us. Que nous n'avons pas peur de la guerre. That we are not afraid of, we do not fear war. Que Satan vienne. Let Satan come. Qu'il rassemble ses armées. And gather all his armies. Qu'il pousse les cris de guerre. And utter cries of war. Mais ils seront brisés. But they will be broken.
Dis amen. Say amen. Je veux que tu crois, frère. I want you to believe, brother. Il dit, prêtez l'oreille. Give hearing. Vous tous qui habitez au loin. All you who are from far. Préparez-vous au combat. Gird yourselves. Et vous serez brisés. And you'll be broken. Formez des projets. Gird yourself. Take counsels. Ils seront anéantis. They will be brought to naught. Donnez des ordres. Give orders. Ils seront sans effet. And they'll come to nothing. Pourquoi? Why? Qui a la réponse? Who has the reply? Pourquoi? Why? Dieu est avec nous. God is with us. Dieu est avec nous. God is with us. Donc tiens-toi debout. So stand on your feet. Et bannis la crainte. And ban fear. Mais les gens se lèvent à trois vitesses. Surtout. Asseyons-nous d'abord. Let's get seated first. Dis Seigneur, fortifie-moi. Say Lord, strengthen me. Dis la nuit est avancée. Say the night has gone far. Mon corps a besoin de toi. My body needs you. Maintenant, debout. Now stand up. Lève ta main droite. Dis, je n'ai pas peur de. Raise your right hand. Je n'ai pas peur de l'ennemi. And say, I do not fear the enemy. Qu'il vienne. Let him come. Qu'il convoque ses troupes. Let him summon his troops. Elles seront dispersées. They will be scattered. Qu'il fabrique des armes. Let them make weapons. Par centaines de milliers. In hundreds of thousands. Elles seront brisées. They will be broken. Dis que les ennemis viennent. Say, let the enemies come. Qu'ils mentent, qu'ils profèrent des mensonges contre moi. Let them utter lies against me. Les mensonges seront écrasés. Their lies will be crushed. Dis que l'ennemi vienne. Say, let the enemy come. Qu'il rassemble ses armées parmi les démons. Let them gather their army among the demons. Qu'il rassemble ses armées parmi les êtres humains. Let him gather his army among human beings. Qu'il les enflamme de colère. Let them set them on wrath. Ils seront bannis. They will be banned. Ils seront brisés. They will be broken. Leur colère va s'évaporer. Their wrath will disappear. Parce que Dieu est avec moi. Because God is with me. Proclame-le. Proclaim it. Lève ta main droite. Raise your right hand. D'ici l'ennemi vient le matin. Say if the enemy comes in the morning. Il sera anéanti. He will be brought to naught. S'il vient à midi. If he comes at midday. Il sera anéanti. He will be brought to naught. S'il vient le soir. If he comes in the afternoon. Il sera anéanti. He will be brought to naught. S'il vient la nuit. If he comes in the night. Il sera anéanti. He will be brought to naught. Qu'il vienne avec la ruse. Let him come with cunning. Il sera anéanti. He will be crushed. Dis Dieu avec moi. Say God is with me. Le Seigneur est ma force. The Lord is my strength. Le Seigneur est ma force. The Lord is my strength. Le Seigneur est ma puissance. The Lord is my power. Lève ta main droite et je bénis l'année 2019. Raise your right hand and say I bless the year 2019. Je prophétise sur les obstacles. I prophesy on obstacles. Je les bannis. I ban them. Dis, je prophétise. Say, I prophesy. Sur mes jours. On my days. Ils seront différents des jours passés. They will be different from the past days.
dit, je verrai la gloire de Dieu. Say, I shall see the glory of God. Je verrai les promesses de Dieu. I shall see the promises of God. Je verrai les promesses de Dieu. I will see the promises of God. Je verrai la faveur de Dieu. I will see the favor of God. Je verrai la bonté de Dieu. I will see the goodness of God. Je verrai la compagnie de Dieu. I will see the company of God. Prophétise sur ta famille. Prophesy on your family. Dis, je verrai des conversions. Say, I will see conversions. Dis, je verrai la restauration. Say, I will see restoration. Dis, je verrai les compassions de Dieu. Say, I will see the compassions of God. Dis, je verrai les compassions de Dieu. Je verrai les compassions say, de Dieu. Say, I will see the compassions of God. Maintenant, now, présente ton année au Seigneur Jésus. Present your year to the Lord Jesus. Dis à Jésus. Tell Jesus. Je ne peux rien sans toi. I can do nothing without you. Tu es ma force. You are my strength. Tu es ma sagesse. You are my wisdom. Tu es mon intelligence. You are my intelligence. Dieu, l'apôtre Paul a dit. Say, Apostle Paul said, je puis tout. I can do all par celui qui me fortifie. By the one who strengthens me. Dis, Seigneur éternel. Say, Lord God. Si j'ai planifié quelque chose, if I've planned something, je l'ai fait en comptant sur toi. I did it relying on you. Je sais qu'avec toi, I know that with you, je ferai des exploits. I will make exploits. Est-ce que regarde auprès de toi, est-ce que ça va? On peut prier. Est-ce que les gens, certains ne vont pas rater. Look around you. Can we pray? Some not going to explique à ton voisin que nous sommes en train d'avancer, d'évoluer. Does your neighbor know that we are going forward? Hallelujah. Praise the Lord. Dis-lui, Seigneur, je veux faire telle chose. Viens avec moi. Tell him, Lord, I want to do such thing. Come with me. Dis-lui, je sais que si tu es là, je vais réussir. Tell him that I know that if you are there, I'll succeed. Prions ensemble. Let's pray together. Prie tes prières, n'écoute pas pour l'autre. Pray on your own topics. Do not listen to the prayer of the other. Implore la grâce de Dieu. Beseech the Lord. Qu'il soit avec toi. Let him that he comes with you. En 2019. In 2019. Nous ont donné l'exemple au début de la rencontre. The sowers gave us an example at the beginning of the meeting. Ils ont apporté une offrande à Dieu. They brought an offering to God. Et l'ancien Zippo vient de me demander de tout faire pour que chacun ait cette possibilité là. The elder Zippo has just asked me to do everything I can so that everyone could get this opportunity. Donc pendant que les semeurs chantent leur dernier chant, so while the sowers are singing their last song, le frère de Gonza va tout faire pour collecter ce qui a été gardé
pour notre Seigneur Jésus-Christ. The brother de Gonzac is going to collect what has been kept for our Lord Jesus. Allez-y. Yes. Donc si tu as une offrande, passe la nouvelle à ton frère. Si tu as une offrande, apprête-la rapidement. So if you have an offering, get it ready. Nous avons encore beaucoup de choses à faire jusqu'à 6 heures. We still have many more things to do up to 6. C'est à 6 heures même que la ceux qui veulent danser là. It is even at 6 that those who would like to dance. Ils vont le faire. We'll do it. Beaucoup attendent toujours quand c'est devenu quand c'est très haut. Many are waiting when it is high. Dites amen. Say amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Vas-y. Quelle joie d'appartenir à Jésus-Christ. Il vit en moi, mais moi je vis en lui. Oh, quelle joie d'appartenir à Jésus. Jésus-Christ, il vit en moi, et moi je vis en lui.
ceux qui le reçoivent et croient en son nom, lui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ouvre ton cœur pour qu'il y entre, il vivra en toi et toi pour le jeudi. À ceux qui le reçoivent et croient en son nom, lui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Si tu ouvres ton cœur, il entrera, il vivra en toi et toi pour lui. Elder Mbashi, rends grâce à Dieu pour les offrandes. Give thanks to the Lord for the offerings. Je te rends grâce pour ces dons que nous t'avons offerts. Nous te les présentons afin que tu les bénisses au nom de Jésus, que tu les multiplies, qu'ils servent à accélérer tes desseins dans la nation, à travers nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que les dirigeants, les anciens viennent maintenant. Let the elders come now. Des mots clairs. In clear words, chacun dit ce qu'il a dans son esprit. Tu n'inventes rien. Do not invent anything. Just say what you have in your mind. Parce que c'est ça que tu as déposé. Because that's what God has deposited in your mind. Je ne dis pas d'intercéder pour les frères. I'm not asking you to intercede for the brethren. Je dis de proclamer une bénédiction. I'm telling you to proclaim a blessing. Ne vous mettez pas en rang. Do not line up. Et donnez le micro. And give the microphone. Et quand on proclame la bénédiction, vous dites amen. And when we proclaim the blessing, you say amen. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs tout au long de l'année 2019. Que vos greniers soient pleins. Amen. Que vous ne manquiez pas de nourriture dans vos maisons. Amen. Que vous soyez guéris de toute maladie au cours de l'année 2019. Amen.
Que vous soyez fort et ferme dans votre esprit. Amen. Que la grâce de Dieu vous couvre tout au long de cette année. Amen. Amen. Je te bénis avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que la faveur de Dieu t'accompagne durant toute cette année 2019. Que tes ennemis devant toi reculent, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent jamais, jamais. Que les obstacles devant toi soient dégagés. Que le chemin soit aplani. Que les hauteurs soient rabaissées. Que toute adversité contre toi soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Que la prospérité soit dans ta maison. Que la prospérité soit sur tes proches. Que le Seigneur bénisse ceux qui te bénissent. Et qu'il soit l'ennemi de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi et ta famille. Que la présence de Dieu ne te fasse jamais défaut. Que l'Éternel te donne de le chercher, de le trouver, de connaître sa volonté parfaite en toutes choses et d'obéir. Que l'Éternel soit avec toi dans toutes tes entreprises. Qu'il se révèle à toi comme le Dieu qui guérit de toute maladie. Amen. Que tous tes combats soient couronnés de victoire. Amen. Que l'Éternel bénisse tes entrées. Amen. Qu'il bénisse tes sorties. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Amen. Qu'il te protège contre l'adversaire. Amen. Qu'il te protège contre l'ennemi. Amen. Que tes prières soient exaucées. Amen. Que tes prières soient exaucées. Amen. Que tes prières soient exaucées. Amen. Afin que ton cœur se réjouisse. Amen. Et que tu bénisses le Dieu de, qui t'a exaucé. Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu t'accorde de rendre de grands témoignages cette année. Amen. Qu'il exauce tous tes vœux. Toi, sœur, qui rêve de te marier, que Dieu exauce. Amen. Toi, frère, toi, sœur, qui cherche un emploi, qu'il te l'accorde. Amen. Que Dieu glorifie son nom dans la vie de chacun. Amen. Je te bénis avec l'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. Je te bénis avec la puissance de connaître Dieu. Amen. Je te bénis avec la capacité de trouver Dieu, de chercher Dieu, de trouver Dieu. Amen. Je te bénis avec une paix profonde. Amen. Je te bénis avec la richesse spirituelle. Amen. Je te bénis avec la richesse matérielle. Je te bénis avec la richesse financière. Amen. Que tu sois béni. Amen. Que Dieu exauce tous tes vœux. Amen. 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 Que cette année soit pour toi une année exceptionnelle. Amen. Que tous les lieux de prière sans exaucement jusqu'à ce jour. Amen. Que cette année soit le couronnement. Amen. Que tu sois dans une abondance totale. Amen. Que l'abondance de Dieu soit avec toi tous les jours. Amen. Que devant toi, le chemin soit frayé. Amen. Et que tes ennemis tombent. Amen. Et qu'ils ne se relèvent plus jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur tourne son regard favorable sur vous et vous bénisse dans toutes vos entreprises. Amen. Qu'il vous fasse grandir dans toutes ses voies. Et la bonne main de l'Éternel soit sur vous tout au long de cette année 2019. Amen. Que le Seigneur, le Dieu vivant et puissant vous assiste pendant toute cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel t'accorde sa connaissance. Amen. Au nom de Jésus-Christ,
Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Que la faveur de Dieu repose sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que la stérile enfante cette fois. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que la stérile enfante cette fois. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que la stérile enfante cette fois. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.